Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve ici pour tester plein de démos. En ce moment c'est la NeoFest et donc ici nous allons tester Fata Deum, un God Game héritage de Black and White. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est des matchs, donc on va faire New Match, Skirmish contre 3 dieux, difficulté on va être facile. Ennemi, fertilité, violence, ok, j'imagine c'est les types de d'IA qu'on peut avoir. Easy, ouais, on va rester sur easy, le nom de la partie on va laisser ça, donc c'est parti, loading map, est-ce que c'est procédural les maps, je sais pas. En tout cas le loading a l'air d'être lent. Ok, donc c'était un petit peu long, j'avais coupé l'enregistrement pour ça, j'espère que ça va être optimisé par la suite. Bon, pour l'instant la démo est juste en anglais, hop là, on est le petit rayon de lumière. Alors, objectif, mission, get the most followers et deadline, be rich in 20 days, pas 12. Tutorial, listen to the imp, ok. Bonjour, je suis un diablotin. Je veux vous montrer les ficelles d'être un dieu. Juste cliquer le bouton gauche. Ok. Welcome to Fata Deum Demo. Dans cette démo, vous avez accès à ce qui est disponible présentement. Vous ne pouvez pas sauvegarder ou charger une partie. D'accord. Et la partie s'arrête après 12 jours. Vous pouvez voir le compteur below, ici. Ok. Attends, c'est 12 vrais jours qu'on peut jouer ou... Ok. Ou c'est 12 jours dans le jeu, je pense que c'est 12 jours réels. Alors, considérez ça comme une version, un accès anticipé alpha. Il y a des bugs et des affaires. Alors, vous pouvez mettre la pause. Il continue ce tutoriel en présent. Ok. Ok, ça c'est pour continuer le tutoriel. Ok. Si vous êtes fatigué du tutoriel, vous pouvez le skipper. Ok. Si c'est votre première partie, pour apprendre les mécaniques, c'est normal. Game mode, expect, premier match, take your time. Prenez votre temps pour apprendre les mécaniques. Maintenant, laissez-moi expliquer. Alors, premier de tout, j'ai figé le temps pour prendre le temps de jouer. Voilà. Vous avez plusieurs choses à faire, plusieurs façons de vous traverser, de voir à travers le monde. Alors, take a look at the left side of your screen. Ok. Donc, le classique, le clavier. X et Z pour monter les cendres, F et A. Oups, j'espère que je vais pas vous donner mal à cœur. Speed up, shift, ok, zoom avec la molette classique. Oups. Et on peut se déplacer avec le curseur de la souris et le bouton droit. Ok, press or left. Oups, là-bas. Ok. Par contre, j'ai pas vu comment on pouvait. Ok, tout simplement comme ça. Ok, bon. Quasiment tout faire avec la souris. So, you'll be saying moving, we have manual input, you can so fly autonomously. Hein? Ça veut dire quoi ça? Ok, auto-navigate. Click left button on the mortal or building. Hop là. Ok. You can move back right. Ok. La carte, ok. Ouf, ok. D'accord, je sais même pas il est où notre village principal, j'imagine que ça doit être là. Non. Nice. Chris, Atris. J'étais pas là. Super. oui, je crois que c'était ça. Donc on est bleu. No, I will try to gain followers. Ok, bon, comment gagner des followers? Alors, le settlement campement. Ok, c'est le cadet Cloud of Views, or Altar, et puis we need to get some more followers. 50% of the settlement to become its main god. Ok, donc il faut convertir des. Il faut avoir 50% des. De followers dans ce village
pour qu'ils nous prennent pour leur dieu. Alors, vous devez faire des choses incroyables, ok. When offering over the mortal is oration, the blue mortal, and the mortal already believe in you. Ok. Alors, any other color indicate you under believe in, you can go here. Ok. Ok, les autres couleurs sont qui ne croient pas en moi. Alors, when you offering ici. Si je clique là, non, c'est pas ça, il n'y a pas de couleur. Alors, il y a 4 citoyens. Effect. Average productivity. Ok, mais il m'explique pas ce que je dois faire. Alors, over, and unbelieve, and press left mouse open to focus on him. Ça? Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est un follower. Ok. Love or infuse fear and all left moves. Ok, donc on a le choix entre être comme méchant et faire peur ou bénir et être gentil. Donc on va faire ça, spread love, partager l'amour. Faut-il le faire plusieurs fois? Ok, il faut laisser appuyer. Alors, merveilleux! Vous avez chaque nouveau follower génère de la mana. Someone that likes spread love, what to feel. Ok, les sorts comme ça et ça sont disponibles en édition limitée. Je dis édition, mais c'est pas vraiment ça. Oh, il avait un problème avec sa tête. Ok, oui. Mais en fait, ça se recharge avec le temps. Ok. Pour augmenter votre pouvoir et gagner des nouvelles compétences, vous avez besoin de plus de followers pour achever le goal, le but. Vous devez, on doit avoir plus de mana. Alors, if you run low of mana during the day, try to find some ancient relic. Ok. Elles sont cachées tout partout. Ok. I show get you once. Follow the target icon to get. Range. Ok. On sort d'ici. The bounty preserve must be performed on target. Ok, mais oui, je veux bien. Mais... C'est une fontaine. Et puis l'icône. Peux-tu suivre ça? Ok, c'était ça. Preserve. Ou Instinct. Et on va preserve. Plus 19 de mana. Ok. Ok, on peut aller. Alors, on va get back to the settlement. Alors, besides converting mortal directly. The execution of each wonder provide additional fate. Vous avez maintenant accès à the very athletic wonder godly feast. Ok, je pense quoi. It's wonder that everything is loved and gets stronger and louder the most during the execution. Alors, un chargement infini et get stronger. Plus je laisse appuyer longtemps et plus ça devient puissant. Furthermore, by moving the move while holding the move button, you can position the godly fist in the side. Oh, to punch a poor mortal. Ok, on peut donner une grosse claque, un gros coup de poing divin. Décider de où on le met. Ok, let's have a try. He won't see it coming. Ok, on va essayer, ils vont pas venir le voir. And the wonder godly fist can be used to push mortal around. Ok, comment ça marche? Ça. Ok, c'est parce que j'ai pas compris. Et je fais
ça, non. C'est ça là, Goldy Fist, ok. D'accord. Il a volé loin. Bon, another follower joined the club. Ok, à nouveau ce follower a rejoint le club. Le club. Il avait juste besoin d'être poché. Ok. Alors, en plus, sélectionnez chaque matin individuellement. You can also perform a wonder and quicker way via shortcut. Ok, donc on peut faire quelque chose avec des raccourcis. Ah, et de love. Ok, donc c'est quoi? S'ils sont bleus, c'est qu'ils croient en moi. Lui, il croit à moitié en moi. Ah non, il y en a deux. Zéro. Attends, c'est lesquels les... J'ai combien de followers en fait là? 10. Non, ça c'est la ville. Fertilité. Violence. You. Ah, ça c'est les. Ok. J'ai 5 followers? Ok, donc les followers. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ceux qui sont en jaune. Non, ça je peux. Ok, non, ça, c'est ça. Ceux qui sont en bleu, ils croient en moi. Voilà. Pourquoi je peux pas? Ah mon dieu, ok, c'est parce que j'ai assez de followers pour que ça continue le tuto. Alors, use the propaganda wonder. Ok, il faut la prendre. Oh, il croit en moi, ça y est. Attends, looks like the time... Ok, non, c'est 12 jours de jeu. Looks like the time of day has changed. Eh oui, c'est la nuit. Let's continue the tutorial next time. Ah, the night. All mortal rest and dream their dreams. Alors, comment manipuler les rêves de ses followers quand vous avez atteint le niveau 1? There is much to do. Il n'y a pas grand chose à faire la nuit présentement. Pressez retour arrière, tu continues with the next day. Ok. On a passé la nuit. Looks like the time of day has changed. Et oui, maintenant c'est le jour. No, we can continue where we left off last day. Alors, use propaganda wonder. Ok, c'est quoi ça, propaganda? Check the sanctuary icon of the settlement. Ok, ici. Je peux rien faire là-dessus. Hey, reviens toi. Alors, beacon, the main gun, main gun, oh, ça fait un convert 50% des. Ok, bon. Alors, voilà. Crois en moi. Raise. And know that you are the main god of this settlement, the main building's roof as your color now. Alors, les toits ont ma couleur maintenant. Look, you have already received prayer. Alors, on reçoit des priants. Ici. Vous pouvez ignorer les priants, rejeter ou accepter et leur répondre. Ok, donc, accept the prayer. Do not accept the prayer. Non, on va accepter. Hooray! Ok. But be careful. Chaque réaction influence les croyances de vos mortels. Répondre à un priant. Further triangle fate augmente la. Accroît la croyance qui correspond au village. That right is up, so just press leftmost to finish this tutorial. You are the main god of that one. You can also grab mortal. You can grab mortal during the day and assign them to other buildings for the rest of the day. Attraper un mortel over and mortal. Donc genre, on prend lui. Comment on fait pour le grab? Bon. When releasing is executed, the opening thing is new free, the name of the building, the work on them, the assembly, the thing. The most important, you can throw them, of course. Just hold the leftmost, mistake, and go to the leftmost, and... Eh mon dieu, que le tuto est un peu mal fait.
Beaucoup de textes, pas beaucoup d'explications. To get the feeling of it, you throw some mortal around the familiar enough, press left mouse to continue. Ok, bon. Je n'ai pas réussi à attraper des mortels, mais. You will also be able to grab trees. On peut attraper des arbres. Oui, c'est juste que j'ai juste pas compris comment ça marche, parce que quand je fais des clics de gauche, ça fait juste avancer le tuto, ça permet pas de faire des actions. Bon, the mingle destroys the methods of followers of your enemy. The number show indicate the current amount of them. J'aurais dû faire ça de mon côté le tuto, parce que là je fais perdre du temps. Ça va pas être très passionnant comme vidéo. Mana getting low, gain information en relique, ok. What system we need? Ok. Oh là là, j'ai ça en anglais en plus. This is your first playthrough, it's over long, we're coming in, ok. That's the way the match is strong, again, you have to start a new mission. Bon, y'a plus de tuto, j'ai fini le tuto, ok, bon. Ok, on laisse appuyer, ça permet de le ramasser. Ok, si je le mets dans les champs. Ok, je l'ai toujours avec moi. Comment je le lâche? Ok, il faut laisser appuyer. Ok, lui c'est pas un follower. Ok, je peux pas le relâcher là. Là. Je peux attraper un arbre. Ça marche pas. Bah, toi, crois en moi. Vous avez atteint le niveau 1. Skill for Wonder. Alors, Skill Mastery of Power. Skill Mastery of Inspiration. Inspire Oppress. Ok. Ah, faut que je choisisse. Ça donne Empower ou Divert. Alors, support of extraordinary result et cloud the man with dark flow, avec des pensées sombres. Bless with your attention. Ok. Missing skill selection. Ok, voilà, ça marche. Plus 1, plus 1, plus 6. Select the mortal. Ok, il faut les trouver. Ok. Energy. Ok. Travail. Ils perdent de l'énergie sur le temps. Vous pouvez les aider à relaxer de façon différente. Ok, empower. Voilà, crois en moi. Voilà, j'ai déjà empower. Empower, il y en a plein qui travaillent dans les champs. Qu'est-ce que c'est Empower? Ok, est-ce qu'on les voit sur la carte? Oui. On peut pas cliquer dessus? Une relique. C'est une relique ça? C'était une relique là, mais il y a quelqu'un qui croit en moi. Ah, voilà, on va se faire un autre village. Nous sommes niveau 2. Bon, qu'est-ce qu'on gagne? Inspiration or exploration. Et puis ici, basic manipulate. Alors, on va prendre ça et ça. J'ai compris comment j'ai fait pour passer de niveau. Alors, toi, t'as l'air qu'il faut que je te. Parce que croire en moi.
fois. Voilà. Alors. Bon, déjà niveau 3, ça monte vite apparemment, on a 16 followers. Donc, on peut augmenter le Wonder, maximum Wonder level 40%. Ou sinon, toujours le Inspiration, donc on va prendre le Wonder. Alors, on a le choix ici, Manipulation, Show them where you want the attention, ok. Alors, construction manipulation, manipulate mortal to build supporting building. Ou l'autre, settlement, command them to attack another settlement. Ok, pour attaquer d'autres villages. On va y aller avec la construction. Je sais pas trop comment ça s'utilise, tiens, un priant pour moi. Et je lui fais un. Donc on va le sélectionner là, Empower, voilà. Donc là le village est à moi, oui j'ai deux villages. Bon par contre il me faut... ça c'est moi ça, ouais. Ah, ici deux priants, voilà. Alors je sais pas s'il faut tous les mettre en priant, si j'ai trop de priants, ils vont-tu arrêter de travailler, je sais pas. Alors, deadline, ok, the Wonder Empower must be performed on target Atarus Aratus Fenelis, c'est qui ça? Tu vas avoir une liste de nos citoyens, parce que là vas-y pour trouver c'est qui Atarus... Tu crois pas à moi? Alors, Iwatarus, Aratus. C'est-tu toi, Aratus? Eh oui, c'est lui, Aratus. Ah, faut laisser appuyer aussi. Oh mon dieu. Ok, donc tous ceux qui ont. Truc sur leur tête. Voilà. Et il reste plus que toi. As-tu marché ça? Je peux avoir de mana là. Ah, ça n'a pas complètement marché mon sort. Et comment je peux trouver des reliques maintenant? Tout à l'heure, elles étaient affichées sur la carte, mais là... Une relique, ça? Non, c'est juste un dragon. Relique. Ça, c'est du gold. Plein de, d'énergie. Toujours mon deadline, je sais mes objectifs. Ok, peux-tu leur dire de bâtir des choses? Productivity, God Fist, reduce mana cost due to build the business. Ah, ça coûte du mana le fait qu'ils croient en moi, hein, je comprends pas. Ok, la nuit ils vont se coucher, hop. Accélérer? Non, ça marche pas. Ils ont du bois, ils ont de la bouffe. Ok, là c'est la nuit. J'ai un peu trop de priants. Hein. Ok, là j'ai récupéré de la mana. Ah! C'est la nuit qu'on fait des constructions. Establish new village, non? Outpost
No action. Ok. D'autres choses qu'on peut décider? Remove building. Non, ok, je vais pas retirer ça. Then, je peux la remove. Click. You can control the main behavior of the server in AI. Currently, you can stop them from performing their own action to give them back some free living. But you will get more options when you reach higher level. So you can also then build some new buildings. Look to another dream bubble. Ici, and dream bubble. Ok. Alors, let them build a tavern to gain more energy or build a barrack to train some warriors or whatever you like. Alors, barrack, shack. Ok. Temple, residence, tavern, school, fertility or tree. On va faire une taverne. Ok, puis là, pour le reste, je devrais pas avoir assez de bois. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Hop, fini la nuit. C'est sympa que ça nous explique tout ça en deux temps. Oups, niveau 4. Mastery of Gathering. Ok, et puis... Ouais, wow, parfait. Ok, donc ça, ils vont faire ça tout seul. Alors, Power Time Control. You can click on the sundial. C'est quoi le sundial? Icon in the upper right. C'est ça? Ok, là ça frise le temps. You pause and continue the game. Ok. If the game is an unpause, you can hold the left mouse and speed up. Hey. Okay, as you can just press the link to finish the tutorial. No, we need to collect and deploy resources. Right now, you are only able to collect the resource wood. Level by level, you will receive your power to gather other resources too. You can see additional information in the hovering over environment resource. Hover a tree and all the left moves to collect some wood. Oh-ho-ho! Great, the tree will grow slowly day by day. And the most of resources I'm carrying is shown as an icon. Yeah, c'est ça. Ok, let's collect ça. On va collecter 25 bois. Ok, puis je les mets où? The amount of resources can collect increase in your goal level and you can that's something with collect resources, so you can deploy resources within a set amount on your altar. Ok, so je les mets là. Ok. Ok, si je les mets dans mon altar, c'est, j'imagine c'est le... Le fameux clic gauche pour faire avancer le tuto et c'est le clic droit pour bouger la caméra. Donc j'imagine mon altar c'est ici, donc si je dépose du bois là. Voilà. Converti en mana. Bon. Ok. Un priant. Allez hop. Accept. Hop, un parallèle. Ok. Unicorn ici, wonderful in love, God fertility. Bon, j'avais un deuxième village moi, ici, here I am. Yeah, yeah. Yeah. Ok, bon, je vais parler du bois ici. Ok, et je m'en vais.
Ici, ça c'est le village que j'ai fait construire. Enfin, pas le village, mais le outpost. Ça croit en moi. Donc là, ils font du bois et de la bouffe. Ok. Comment on fait grandir la population? Alors, Afitstone compte Kiris. Kiris, Kiris, c'est où ça? Si je fais grow, augmenter la population, j'imagine qu'il faut que je construise des maisons. Les maisons, on les construit la nuit. Donc là, il faudrait que j'accélère le temps, mais je peux aussi essayer de convertir d'autres personnes dans d'autres villages. Et en trouver des villages, bien sûr. Donc là, il y en a un qui essaye de se faire de la peur. Donc, je dois. Là. Ok, niveau 5, skill for Wonder. Wonder Love. Et on va continuer pour la manipulation. Est-ce que je peux convertir quelqu'un qui croit en quelqu'un d'autre? Ah oui! Alors, ça fait quoi ça? Je vais lui faire faire des bébés. Ah ouais, ok, j'aurais peut-être dû faire ça dans mon client. Tu veux que je te empower, mais j'ai plus de mana. Le temps. Pas vraiment marché d'accélérer le temps là, j'ai pas compris. Alors, upgrade kill, cercle influence. Ok, l'inspiration, on va le prendre. Alors, manipulation, efficiency, réduit le coût à mana. Ok. Bon, alors ici, loot village or outpost. Reduce workload. Ok, ou balance workload. Productivité 100%, moins 0,05 d'énergie. Alors les symboles, malheureusement, il n'y a pas de... rien qui nous dit c'est quoi, il n'y a pas de glossaire. Donc le premier, c'est quoi? C'est la foi. On va faire un... balance. Ok. Ici, on va construire des résidences. Ah, je peux pas. On va faire des shacks. Si je prends du bois. Ah, ok, on peut pas prendre du bois la nuit. Peux-tu construire autre chose? Un autre shack. Une ville ici. Watchtower. Ok, on va faire par ici. Et là, je suis plus assez de bois. Ok. Mon bois, c'est un bois général, non, c'est le bois de la ville. Donc, Iris. Ici, elle est là, la ville. Pas évident de voir les villages. Ok, le campement. Non, ça, c'est du papier. Carry, remove. Non. Les villages il est là. Alors, increase workload. Ok. Et puis, non. Quoi tu vas faire? Cool, ça fait quoi? Plus 10 de savoir pour les travailleurs. Et plus 1 belief point. Ok.
Alors, first, select the mortal. Ah, ok. Le mortal. Alors, you can either use a level to breathe and prevent a mortal from feeling a partner. Or you can use Fall in Love to ensure that mortal will find a partner and create an offspring. Using this wonder will also increase and decrease your overall birth rate in the stamina respectively. If you have two mortal of opposite gender that you want to fall in love together, use Fall in Love of both of them. Alors, donc si on veut que deux personnes tombent en amour, il faut utiliser le sort tomber en amour, chacun sur chacun des bonhommes. Et puis, ils vont se trouver l'un à l'autre. Faites attention au matchmaking, les campements ont un maximum de capacité de mortels qui peuvent y vivre. Si c'est le maximum, personne ne va naître. Hop là. Vous avez Unlock Settling, but first select the main building. Mon dieu, que les tutos qui se met à faire des affaires quand tu penses que c'est fini. Alors, si vous voulez que les autres. Ok. Ah, please! Oui. Try select one. Alors, support buildings and on the placement location, select talent and green bubble. Ok, bon. Non, pas ça. Là. Hop là. Bah, je pourrais pas rien sélectionner. J'ai plus de. Ah, si je peux faire une crit fatality. Get a landscape rhythm fanboy. Ok. Bah, c'est pas ça que je. C'est pas ça que je dois faire? Try to select one. C'était pas la bonne ville. Si je me mets ici, ça. Ça, non, ça. As-tu marché ici, je crois? Non, c'est like fight. Reporting building. Ça, c'est basic building. Ah, que c'est flou, basique. Ça, c'est un support, mais bah, je sais pas si c'est support. Watch Tower. Ah, voilà, supporting. Ok, but select your main building. Ah, mon dieu. If you have a barrack, you can manipulate your mortal to send soldiers to attack neighbors. Do I use any new troop from someone you engage in battle with other soldiers can lose health and you will die. Si l'attaqueur gagne, vous gagnez des ressources en retour. Et gagne aussi des points de... and with more division you get more even point. Okay. If you want to produce more troops or you don't have right about the wing, you can build a war tent. Okay. D'accord. Okay. Yeah. Bon, mon dieu, à chaque niveau, j'ai raté plein de tutos. That's an same out of the world close. Okay, bon. Voilà, on passe sur... Hop. Au tuto, tu le tuto. Le problème, c'est que c'est juste des petites phrases, c'est pas assez explicite. Donne-moi un grand menu avec des images, et là, je comprendrai mieux. Bon, j'ai quand même compris en gros comment ça se passe. Hop, on va ramasser des armes. Alors, ouais, j'ai 37 followers, encore 3 followers et on va gagner un niveau. Alors, ça c'est à moi, ça j'ai dessus, ça c'est à moi. C'est pas à moi.
Ouh, les arbres sont tristes ici. Allez, hop, on va. Ok. Ouais, plus c'est loin, plus ça coûte de la mana. Pourquoi il est en pause le jeu? Les tutos qui se lancent tout le temps comme ça, hein. C'est go ça. Oh, ils ont tellement de croyances. Ok, que ça coûte 412% de plus. Donc ça me coûterait 61 plus 51 pour les convertir. Ok. Oui, j'allais dire, sinon c'est facile de voler le village de quelqu'un d'autre. Allez hop. Convertir ceux de l'autre. Comme ça. Le village sera plus difficile à capturer. Donc on voit ici que bleu c'est moi, rouge c'est un adversaire et jaune c'est les gens qui croient en personne. Oh, lui il veut se faire prendre un fist, beaucoup de points. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Hop là. On va mettre un petit coup de moi ici. Alors on peut soigner. Parce qu'il a toute sa vie, oui. Inspire. Fall in love. J'ai plus assez de spread love. Je sais pas si le fall in love va faire en sorte qu'il croit en moi. Partager, mais il va chercher un compagnon. Ok, bon. Allez, le bouton bas, même. Vas-y. Ok, donc plus mon pourcentage ici est petit, moins ça coûte d'énergie. Je crois, ouais, c'est ça. Donc, ça coûte 3 pour faire le Fall in Love. Et quand c'est chez les ennemis, ça coûte plus cher. Ok, je comprends mieux. Bon, alors, j'ai bientôt fini les chacs. Ok. Donc là, 14 sur 52. Ah oui, ok. Il va y en avoir beaucoup là. Alors, 1 sur 4. Ouais, tu crois pas en moi. Vas-y. Alors, don't be mistaken, I know it is wrong. Voilà, c'est un message de l'adversaire. Encore un méchant. Combien ça va coûter ici pour convertir quelqu'un? Juste 5? Oh. Ah, lui il croit déjà en moi. Oui,
moi. Mais... Il reste 9 jours. Et c'est juste la nuit qu'on peut leur dire, vas-y, attaque l'adversaire. Là, ça va augmenter sa productivité. Ok. Alors, missing one more temple building. Ok, c'est qui veut un temple? La nuit arrive, on va pouvoir construire des choses. Ok, voilà. Ici, on va être un temple. Il va me manquer des stones. Peut-être pouvoir en récupérer la stone, mais. Vite. Alors, ici, on peut construire un temple. Ah ben non, il manque du bois. Enfin, du bois, ça, je peux en récolter le jour. Ok, là, j'ai toute mon énergie. Ouais, skill manipulation. Ok. Alors, Gift Focus Texture Score. Ok, on va essayer ça. Et ici, on va mettre du Balance. Ça va faire le Watchtower. Ici, faire des baraques, ça va prendre beaucoup de bois. Ok, donc planifier les trucs la nuit, ça prend quand même du mana. Là, on skip. Alors, create food. Ok. Et puis, hop, on va prendre ça. Allez, hop, du bois. Alors, l'inspiration Black and White, elle est là. Mais je trouve que pour le moment, le jeu n'atteint pas du tout son niveau. Black and White, c'est qu'on a une liberté en tout temps, alors que là, on est bloqué à faire des choses le jour et à faire des choses la nuit. On est limité par la recharge des sorts. Je crois que les idées sont mauvaises. Alors, quand j'apporte du bois, ça augmente de la foi envers moi. 50. Order of Nature. Essayer de mettre un petit espion ici ou ça coûte ben trop cher. Et voilà, on a converti un. Je sais pas si je vais le garder longtemps, mais. Alors, beaucoup d'énergie. Peut-être coûte trop cher. Yeah! Oh, une espèce de temple ici. Pas besoin de trouver des vieilles reliques, hein. Faut fouiller. Alors, ça c'est du fer, ça se récolte dessus, non? Ça.
c'est mon outpost. Il commence à grandir. Et il y a quelqu'un qui a essayé de le contaminer. Tiens, reviens vers moi, toi. Oh, il y a un autre qui est. Il est rouge là-dedans. C'est pas de lui faire peur. Hein. Tiens, on voit le Empower en plus. Voilà, puis on voit le Inspire en plus. Essaye pas de le convertir. Hein. Construire beaucoup de nourriture ici. Ouais. Sur une ferme ou je sais pas quoi. Oh, il y a un conflit là-bas. Et qui se bat. Mes gens. Non. Ah, bien. C'est les gens de Nith versus. Barak ennemi, ça. Bon, c'est un coup de poing. Je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Alors, on va soigner. Ok. Il y a quelqu'un qui veut divorcer ici. Quelqu'un l'a demandé, hein. Bon, lui, il va être un godly fist. Ok, il en veut encore. Hein. Ah, j'ai pas assez de mana pour faire quelque chose de puissant, hein. C'est pour ça que ça marche pas. Hein. Alors, 9 bâtiments, 7, un seul. Bon, je pense qu'on va pas étirer cet épisode. Je pense qu'on a vu à quoi le jeu ressemblait. Et pour moi, je suis pas assez convaincu pour le moment. C'est sûr que le jeu est encore en accès anticipé, en développement, mais je trouve que c'est un peu mou. Dans le sens où il faut toujours attendre pour convertir les gens. Je préférais l'aspect de Black and White où tu fais des miracles et en faisant les miracles, les gens qui le voient croient en toi. Pas juste de faire un spell sur un follower, c'était global. Ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué. Après, oui, il y a le côté soldat, là, faire des armées, construire les bâtiments, mais c'est pareil. La collecte de ressources est lente. Je sais pas, j'arrive pas à donner 100% mon opinion. Je dis pas que le jeu est pas mauvais, je dis juste que c'est lent.
C'est ça. Voilà. Donc, j'espère que cette découverte vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas. Bafouillage. Donc, j'espère que cette découverte t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné, je te remercie grandement de ta fidélité. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.